What's up tout le monde, c'est Hunter the Player pour une nouvelle vidéo sur un nouveau tuto comment se repérer dans le monde de Green Run, donc Transit. Là j'attends que le bus il part pour passer. D'ailleurs s'il pouvait marcher un peu vite. Là j'aimerais passer. Donc comment se repérer dans le bus, enfin... Comment se repérer, ça va être une petite série de tutos, je crois que je vais en faire que 2 ou 3. Donc déjà, pour se repérer, pour trouver la cabane du bûcheron, je ne l'ai jamais fait. Et franchement, on va le faire ensemble. On va être dans la galère tous ensemble. Et on va atteindre la cabane du bûcheron. Le deuxième tuto concernera Nacht der Untoten. Et donc la tour de Babel. Ok, alors, faut passer par là. Ah merde, le zombie est mort. C'est bon, j'ai trouvé. Je peux pas aller par là. Et voilà, on est arrivé donc dans la petite dans la cabane du bûcheron. On y est arrivé. Putain, je pensais pas un peu que j'allais y arriver. Donc on va pas emboucher les fenêtres. Et moi, ce qu'on m'a, j'étais sur des sites un peu comme ça pour trouver. Et personne ne disait que. Enfin, si, il y avait des gens qui disaient que apparemment ça ressemblait à la cabane de Evil Dead. Donc je n'ai pas vu ce film. Mais bon. En tout cas, ça fait bien flipper, c'était dans ce monde. Là, je suis comme ça, il y en a plusieurs qui disent un autre nom, genre la cabane du violeur de petite fille, de. Pleinement différent, bon lui on va faire un peu plein. C'est vraiment bon vivant, ambiance. Ça fait A Night of the Living Dead. Et là. De chasse. Et boum! On a mort restante. Ah! C'est quoi ça? Oh les gars, j'ai un bonus! Ah oui, c'est la touche explosive! Non. Ah oh ben j'ai perdu mon... Ah oh, dégoûté. J'ai perdu mon super atout. Donc on va... Il y a aussi une pièce du jet gun. Je sais pas où elle est. On va la chercher. Ah c'est ça, c'est la pièce du jet gun. Et on va faire des manches ici. Dans ce couteau.
Ma prochaine vidéo, ce sera une vidéo Fastcam, comme vous voulez. Une FAQ. Une série de FAQ de pas de questions posées par les gens, mais une FAQ spéciale sur le mode zombie. Voilà, donc j'adore cette petite cabane. Stylé en fait. Même pas besoin. Ah, il était où? C'était barré. Franchement, le bonus que j'avais. Comment? En fait, c'était touche explosive. Et vous savez, dans. Vous avez vu le bus? Dans Call of Duty Alien Cedar Phare, un exo-zombie. Il y a dans la map carrière, vous avez dû voir du Genshin Impact 7, je pense. Et il faisait que. Il disait que. Il disait que. Ah, oh, punaise, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et vous avez vu le nouveau bonus, donc touche explosive. Vous touchez un zombie, il meurt. Et en fait, c'est pareil, c'est la mort instantanée. C'est vrai, je crois que c'est 2 morts instantanées ou 3 morts instantanées. Ça, la première, ben, ça fait ce bonus. Ce épique bonus. Si vous voulez, je ferai une série de vidéos sur ça. Sur les bonus. C'est comme vous voulez. Oh putain, ça c'est stylé. Ça arrive par tous les côtés. Oh, ça c'est stylé. Voilà, regardez. Boum! Boum, 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 boum. Ah, c'est trop stylé ce bonus. Boum, boum, boum. Lui aussi il est mort, le bébé zombie, le demi-zain. Boum, boum. Ah merde, par contre là c'est moins cool. Là c'est moins cool. Bon, on va quitter ce joli petit endroit et on va et je vais essayer de vous montrer la salle du Pentagone, comme je l'appelle. Oh non, on arrive vers les conteneurs. Ah, j'arrive à un moment. Voilà, on va arriver là. Après, on va retourner dans la ville. On va allumer le courant. Bon voilà, la pièce du dernier, on s'en fout. On va crafter comme ça. Ah non, non. Maintenant, je vais prendre le truc là. Oh merde. Oh, je fais chier, j'étais obligé. Allez,
que ça se bouge là. Super. Maintenant, on va accéder là-bas. Ah non, c'est pas grave, il faut faire. Faut que je retourne à la ville. Je vais retourner à la ville. Oh merde, la ville, c'est pas normalement, c'est par là. Wow. Ah non, c'est pas de l'autre côté. Oh merde. Allez. Oh. Oh non, faut vite que je rentre là-bas, putain. Bon, on fera ça dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.